Koh-Lanta, la légende, c'était mardi 24 août et le premier épisode s'est révélé annonciateur d'une saison explosive à venir. Pour les 20 ans du programme, TF1 et ALP ont décidé de bousculer certaines règles que les anciens candidats connaissaient déjà. Adieu les épreuves de confort, les petites aides au démarrage et place à la vraie vie à la dure. C'est ainsi que les deux équipes n'ont désormais plus de marmite. De kit de pêche ou de riz pour débuter l'aventure. De quoi corser la compétition qui s'annonce d'or et déjà très intense pour tous. Les 20 aventuriers ont été scindés en deux, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et si tout semblait démarrer au mieux, des tensions se sont déjà fait sentir chez les participantes. Karima, éliminée, a dit ses quatre vérités à certaines coéquipières dont Cindy Pomerol. Dont la promesse de ne pas voter contre elle venait d'être brisée. Si la future maman s'est expliquée sur ce revirement de situation. Elle avait en réalité d'autres chats à fouetter que d'en découdre avec Karima. À l'issue de la diffusion de l'épisode ce mardi 24 août, Cindy Pomerol a adressé un message à ses abonnés. Dont les clins d'œil sur Instagram lui ont fait énormément plaisir, je voulais tout vous remercier pour vos messages. Vos partages, c'est incroyable, ça fait plaisir, sachant que je redoutais le visionnage de ce premier épisode parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de poids et ça ne fait jamais plaisir de se voir comme ça à la télé. Très complexée, Cindy a d'abord expliqué le contexte de cette prise de poids, en 2 ans. Je suis devenue maman, on a été confinés, j'ai fait que manger, je travaille énormément. Je ne prends que très peu de temps pour moi, pour aller faire du sport, je mange très mal. Je me fais livrer, et juste avant le départ j'ai fait une fausse couche tardive et j'ai gonflé. Déjà complexée avant d'arriver en Polynésie française, voir le corps athlétique des autres femmes a accentué son mal-être, je voyais les nanas avec leurs abdos. Hyper gainée. J'étais hyper mal à l'aise de me mettre en maillot, je n'avais pas pu me préparer physiquement. C'est vrai que débarquer au milieu de tous ces sportifs, c'est compliqué moralement. Que Cindy se rassure, elle reste la plus belle aux yeux de ses fans et de son amoureux Thomas.